Allô, Olivier. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, Placide Mathieu. Ça fait plaisir. Bienvenue chez nous. Fait que là, tantôt, hors caméra, je te disais, tu t'appelles Olivier Rochelot. Est-ce que t'es parent avec les Mathieu? Oui, bien, c'est ça. Je suis un dans la troisième génération. On est deux de la troisième génération dans l'entreprise. Moi, je suis le fils de Sylvie. Oui. Une des filles de Placide. Oui. Et de Denise. Puis, donc, c'est ça. Okay. Oui, on est la troisième génération. La deuxième génération est encore au magasin, à travailler. Ta mère est ici oui, aussi? Oui, elle est en administration, c'est ça, avec une de mes tantes, mes oncles, que j'ai un autre de mes oncles qui travaillent aussi sur le plancher au ventre. Oui, exact. Ouais, donc c'est une vraie histoire familiale. Oui, tout à fait, oui. Encore aujourd'hui, on a de près 62 ans, on est encore. Ouais, 62 ans. Familial. Oui, puis on a des gens qui sont avec nous depuis 25 ans aussi. Fait que c'est comme ça devient la famille aussi avec le temps. Tout à fait. Ouais. Là, tu parles, ça fait 62 ans. Peux-tu me raconter brièvement l'histoire? Oui, bien, dans le fond, c'est mon grand-père, c'est Placide Mathieu. Oui. Avec le soutien, le support de sa femme Denise, qui a fondé l'entreprise. Dans le fond, mon grand-père était mécanicien avant de devenir vendeur d'outils, si on veut. Puis il y a eu une opportunité en début des années 60. Il y avait beaucoup de projets qui étaient en cours, qui étaient annoncés. Il y avait autant l'autoroute 20, le tunnel, l'Expo 67, les barrages d'Hydro-Québec. Il y avait plusieurs trucs. Fait qu'il y a eu une opportunité beaucoup de travailleurs avaient besoin d'outils de qualité. Tout à fait. Puis donc, il a acheté un camion, il a mis des outils, il a même vendu de la chaîne aux agriculteurs. OK. Il s'est lancé. C'était un saut dans le vide, mais calculé, parce qu'il y avait la passion, puis les gens commençaient à le connaître avec une expertise. Il y avait beaucoup de connaissances techniques, fait qu'ils accompagnaient dans leurs besoins. Puis il répondait avec des outils de qualité, un suivi, un service. Ouais. Il était ici? Il était à Belleuil? Il était à Belleuil, oui, c'est ça, sur la rue Brébeuf, en fait, juste à côté d'ici. Le premier magasin, c'était, on dirait classique, comme la Silicon Valley dans un garage. Là. Ah oui? Ça a été fondé, là, oui. À la base. Puis après ça, il y a une autre maison qui a été construite plus loin sur la rue Brébeuf. Puis dans le fond, le magasin était dans le sous-sol. Fait qu'il y avait des centaines, milliers d'outils dans le sous-sol. Wow. À travers les jouets des enfants et tout. Fait que la table de billard, tu sais, il y avait plein de... J'ai moins connu cette période-là, là, parce que je n'étais pas né. Bonne raison. C'est ça, exactement. Oui, oui. Mais sinon, puis on a continué à croître avec ça. C'est toujours le service qui est au centre de notre entreprise, autant les conseils, le service après-vente, la qualité des produits, la variété. Ouais, c'est ça, l'expertise qu'on se démarque sur le marché depuis autant d'années. Ouais, exact. C'est la constance aussi dans le service qui fait conduire, je crois. Parce que dans le fond, avec le temps, c'est arrivé les grandes chaînes qui se sont ouvertes. Qui sont venus probablement jouer un peu dans vos plates-bandes. Bien, un fait peu. Que vous démarquez, vous distinguez par le service. Bien, le service, puis aussi, c'est qu'on vise notre clientèle. C'est une clientèle un peu plus professionnelle, si on veut, autant entreprises manufacturières, entreprises de construction, les entreprises en télécommunication, les villes, les centres de formation. Donc, dans le fond, on vise le moyen puis le haut de gamme, dans le sens où. Pour une marque donnée, on va tenir les produits de la meilleure qualité, les plus industriels, qui vont durer plus longtemps, qui est un peu moins utilisé par le grand public. Monsieur, madame, cela tout le dit, tout le monde est bienvenu chez Outillage Placide Mathieu. Là, on n'a pas besoin d'avoir un compte commercial pour venir. C'est ouvert à tous. C'est juste quelqu'un qui veut des bons outils puis de la qualité de service. Et bien ici. On est là pour. Là, maintenant, la troisième génération, c'est vous autres qui avez repris ça. Oui, mais ça fait quand même une vingtaine d'années qu'on est dans l'entreprise quand même. Là, quand on était jeunes, on venait aider aussi. On dérangeait des gens parce qu'on pourrait déranger. Mais avec le temps, on a appris à connaître le magasin puis développer une passion aussi. Parce que c'est tellement le fun d'aider le client à répondre à ses besoins puis aider à mieux travailler que c'est quand même... Là, c'est plus grand que c'était auparavant, hein, n'est-ce pas? Bien, on a commencé en 2000, dans le fond, juste avant la COVID, en octobre 2019. On a parlé de ce projet depuis plusieurs années parce que le magasin, c'était juste la partie qu'on voit ici en ce moment. Là, ici, exactement. Okay. Tout le magasin, c'est ça, vers l'avant. Puis on a augmenté de 15 000 pieds carrés. Donc, on a fait construire le bâtiment adjacent. Sous-sol pour un plus grand entreposage, plus grande capacité d'entreposage, donc plus de produits disponibles rapidement. Aussi une salle de monte plus épurée, mieux placée parce qu'il y avait beaucoup de produits, mais dans un espace plus restreint. D'accord. Donc ça faisait que des fois les clients perdaient un peu le focus sur certains outils, tant que là c'est mieux présenté. Tous les employés, l'équipe de gestion ont travaillé fort pour offrir ça à la clientèle une meilleure expérience de magasinage aussi. Ouais. Puis aussi pour nos employés, un meilleur espace de travail. On a toujours la vue sur la magnifique montagne. On a une cuisine commune, une terrasse même avec un barbecue, c'est merveilleux. Puis, c'est ça, des plus grands bureaux, un service de réparation. On a amélioré tout. La formule fonctionnait bien, la formule de base, le service, la qualité. Mais on a mis ça au goût du jour, finalement. Okay. On est très fiers. Ah oui, hein? Parce que tu le disais tantôt, tu as des employés qui sont ici, ça fait 25 ans, j'imagine que
vous faites attention à nous. Ah ben oui, ça fait partie de la famille, puis on est très, très accueillants. Puis c'est ça, notre mentalité, c'est aussi c'est d'accueillir les gens, puis on vise toujours le long terme. Mm-hmm. C'est quelqu'un de passionné, qui veut apprendre, même s'il n'est pas dans le domaine du tout, mais qui a un intérêt pour la vente, le service client, ça peut être pour la réparation, ça peut être pour la logistique. Là, tout est disponible, on est en croissance. Est-ce que le rêve de ton grand-père, là, dans le fond, à l'époque, là, lui, il voyait des gros projets là, à Montréal et tout. Est-ce que vous limitez à ici ou vous envoyez de vos outils partout? Notre marché, on se concentre sur le Québec, ça va peut-être être 90% du chiffre d'affaires, si on veut. Mais on a développé dans les dernières années une plateforme Internet sur placide.com que le Canada au complet peut acheter. Le Canada au complet? Oui, c'est ça qu'on expédie quand on a les projets en inventaire le jour même ou le jour d'après. On a vendu, anecdote, là, mais on a vendu la semaine dernière un ensemble d'outils au Nunavut. Ah, à Iqaluit, fait que c'était drôle comme clin d'œil. Ouais. Mais sinon, c'est ça. Fait qu'on notre marché principal, on fait la livraison sur la rive sud à Montréal, parfois la rive nord. Il va y avoir des gros projets là, qui s'en viennent. Oui, c'est ça. On était bien excités. On est bien placés. On est bien excités pour ce projet-là. On vraiment, a hâte de communiquer avec les gens, mais on va garder notre concentration, notre bon service, puis pour être à l'écoute de ces gens-là. Mais c'est ça. C'est une belle fierté. Tu m'emmènes sur le point culminant de notre entretien. Ce serait quoi pour toi, justement, ta plus grande fierté? Bien, moi, personnellement, c'est de participer à la croissance de mon entreprise, de l'entreprise qui est implantée dans la région depuis plus de 60 ans, quand même. C'est une belle fierté. Puis aussi, en étant la troisième génération, c'est d'avoir contribué à l'essor du Québec, dans le fond, un peu la construction du Québec, puis à son avenir aussi humblement, de notre façon, puis aider les gens qui ont rêvé au Québec de demain à leur fournir des meilleurs outils pour qu'ils puissent travailler mieux, puis bâtir ça. Puis on voit autant au niveau manufacturier que les routes, les bâtiments, tous les rêves qui sont réalisés. Puis tu sais, on a notre contribution humble là, dans tout ça, mais c'est juste qu'on a aidé des milliers de personnes, puis tous les employés qu'on a eus à travers les années, les familles de la région qu'on a accueillis, autant des clients qu'on a vus. Tu sais, on a vu des grands-parents, des parents puis des enfants venir. Fait qu'eux autres aussi, il y a trois générations qui sont venues au comptoir puis qui ont demandé des outils. Donc, c'est merveilleux pour ça. Donc, c'est ça, c'est contribuer à l'économie locale, mais aussi assurer la pérennité de l'entreprise pour plusieurs années encore. On est là pour longtemps. Y a-t-il une quatrième génération en route? On travaille là-dessus. On aimerait bien. Mais on veut que l'entreprise dure encore longtemps. Là, fait que, c'est ça. Je pense que vous êtes bien parti. C'est absolument magnifique. Merci beaucoup. Puis, merci pour l'accueil. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. On va aller à la rencontre de d'autres belles entreprises comme ça. Mais ça, vraiment, pour nous ici, c'est une vraie fierté d'ici. Merci. Merci beaucoup.